The most important thing for Sea of Solitude for the new version is, of course, directing and the new voices. It makes a big difference. Like it lifts the whole other parts of Sea of Solitude into this new experience that we want to have. I was born ready. Étaient tous d'accord sur le fait qu'il fallait faire une nouvelle proposition sur les voix et sur le casting de cette Director's Cut. Donc ça a été mon premier travail, c'est d'aller chercher des nouveaux comédiens avec les nouveaux textes et de réfléchir à ce qu'on voulait amener dans cette nouvelle Director's Cut. That sound, it's in pain. La force de Quantic Dream qu'on a pu apporter à Yomai, c'est la qualité dramatique et narrative qu'on s'est apportée à nos jeux. Et avec l'équipe de réalisation, nous avons pu travailler sur un casting en plusieurs langues, en français, en allemand, en anglais, et en japonais et en espagnol, avec l'idée de rendre le jeu le plus accessible possible pour un maximum de personnes. Et donc nous avons un casting d'acteurs pour ces 5 nouvelles langues pour couvrir l'ensemble des scènes cinématiques et des scènes de gameplay de Kay et de l'ensemble des personnages du jeu. 3, 2, 1, action! He's coming! He'll be right in. We can't go, Dad's not home yet. Ma proposition, elle a été tout de suite de faire une version un peu plus réaliste, un peu plus casual, en qu'on concentre le quotidien de ces personnages, parce que justement, je trouvais qu'il y avait la direction artistique qui était très cartoon, mais je voulais qu'on aille avec les voix dans une nouvelle dimension qui était une dimension beaucoup plus réaliste, pour créer de l'empathie avec les joueurs qui se sentent très proches des voix, qui se sentent bercés dans un quotidien. Sonny, stop being a brat. Et moi, j'avais toujours en tête un de mes livres préférés, qui est Alice au Pays des Merveilles. Je voulais qu'on ait le sentiment de rentrer dans le terrier du lapin quand on joue à Sea of Solitude. C'est-à-dire qu'on avait cette dimension très cartoon, des personnages qui sont des animaux. Mais je voulais que la voix soit vraiment l'écho à la réalité de cette histoire. Wow. What is this place? I had the intention to have like German accent, like English speaking people with German accent, but it came over too distracting for such an emotional story. The main character was spoken by my lead animator. And like Joy was spoken by my cutscene animator. So we made it really indie. And now finally hearing professional voices, I think this is the most important part we do, to be honest. Get out of my way. Trust you? I'm trying to fix it. I can make it better. En discutant avec Cornelia des intentions de casting, je lui ai posé plusieurs questions, justement, pourquoi avoir choisi des acteurs avec un accent allemand. Et c'était une intention qu'elle avait, que moi je trouve assez intéressante, parce que ça ancrait aussi une part de réalité dans le projet. Je lui ai demandé d'ailleurs si elle voulait qu'on retrouve des acteurs avec un accent, ou qu'on aille chercher des acteurs avec ce qu'on appelle le Mid-Atlantic Accent, c'est-à-dire un accent neutre anglais. Donc moi, l'étape de casting que j'ai eue après, c'est d'aller chercher des acteurs anglais ou américains qui sont capables de faire un mid-Atlantic accent. Et on est allé chercher des acteurs avec qui on avait déjà travaillé sur Beyond Two Souls ou Détroit, mais aussi aller chercher des nouveaux talents. Ew, Kay wants to kiss him. I'm so selfish. You could do so much better. That's what you want to say, isn't it? The process of casting with Quantic Dream was super interesting. Like, they gave us a variety of potential actors. Globalement, entre 2 et 5 acteurs par rôle. Et c'est génial parce qu'on est tombé d'accord sur tous les rôles. For each role, we immediately loved someone. I couldn't save you. C'est un peu choisir la couleur de la maison qu'on est en train de peindre, et quand on se rend compte qu'on est d'accord sur toutes les teintes, c'est assez agréable. Le personnage principal du jeu a été assez intéressant. Moi, je voulais faire une proposition d'un personnage un peu plus, un poil plus sombre, mais vraiment légèrement, et surtout en tout cas qui est en plein questionnement constant sur son amour, sur sa vie familiale, sur sa relation avec ses parents.
Et je voulais qu'il y ait un vrai roller coaster en termes d'émotion avec ce personnage, et que quand il soit joyeux, ça soit de la vraie joie sincère et réaliste, que ça soit pas, qu'on n'aille pas trop. Et par contre, évidemment, que dans les moments de tristesse aussi, on n'aille pas trop loin, mais que ça donne un ton un peu réaliste. Voilà, c'est la proposition que j'ai fait à Cornelia. Et quand on a travaillé le personnage avec l'actrice Cassie Chase, on s'est tout simplement dit, c'est juste, c'est pas obligatoirement le personnage qu'on imaginait avant, mais en tout cas, c'est la Kay qu'on veut maintenant. I'll kiss you too. Come here. It's all a little bit more smooth, like because we are so such a small team. At the end, it was just the time we didn't have to bring the last polishing. So this is like a whole package of little things, but also bigger things like voices that would really like improve the whole experience. As that's a little joy. I'll follow you around. Like, blah, 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 blah.